Salut les petits potes, bienvenue au vlog numéro 6. Alors, ça fait 3 fois que je refilme cette intro parce que déjà la première fois je savais pas quel jour on était, la deuxième fois on voyait mon vieux genou là, du coup je refilme, je suis insupportable. Donc nous voilà dans la salle de coworking, on est mardi 27 octobre, il est 23h41 et il faut que je rattrape mon retard. Vous savez que je suis en retard, vous savez que je suis toujours en retard, c'est affolant. Non mais en fait aujourd'hui, je vous explique, j'ai travaillé jusqu'à 17h et après j'ai eu une perte de morale, genre vraiment j'étais en mode non c'est mort, je travaille plus. Puis après je me suis dit si en fait. Et du coup je me suis dit bah vas-y je vais faire mes 4 tranquilles ce soir et je vais essayer de faire genre 4 chapitres. Bon on va essayer de se coucher à une heure raisonnable parce que la dernière fois quand j'ai fait ma nuit blanche, bah du coup ça a niqué mon cycle de sommeil, pas mon cycle cellulaire, qu'est-ce que je... Et demain, il y a la colle du E2. Je pense que ça sera moins pire que celle du E1. En tout cas, je l'espère. Inch'Allah. Attendez, il est que 7:00 et j'ai faim. On va aller chercher à manger, ça va pas du tout là. C'est quoi ça? Update, il est maintenant 00:57 et je suis en train de faire un chapitre. Il est si long, genre, oh my god, il y a 5 parties, les frères. Je pense que je vais finir ce chapitre et aller me coucher. Je sais même pas à quelle heure je vais me coucher. Le pire, c'est que ce chapitre, je l'ai vu genre au premier trimestre, mais il était tellement long que j'avais la flemme de le travailler. Donc, je vais faire tout ce que je peux sur ce chapitre. Si je l'ai pas fini, tant pis. J'ai déjà fini un chapitre, c'est déjà pas mal. On devait pas en faire 4. Si, mais bon. YOLO patalo. Salut les petits potes, on est mercredi et ce matin je me suis réveillée en retard, très très en retard. Genre je me suis réveillée, c'était 11h. Donc il est maintenant 11h34, je suis en train de boire un café, mais là on est en retard, très très en retard. Oh my god. Pourtant j'ai mis 3 réveils, hein. Mais je pense que j'étais éclataxe, de toute façon il fallait que je dorme. Ok salut, il est maintenant 12h15. J'ai préparé ma liste de choses à faire aujourd'hui, du coup je rentre chez moi vendredi midi parce que... Enfin, pique-nique avec les copains vendredi après-midi. Et on aura peut-être soirée vendredi soir. Là, je vais faire l'UE3. Après, je ferai l'UE1. Et après, je vais faire full UE2 parce qu'on a quand l'UE2 sort. Non. Hugo, il est quelle heure? Trop tard. On est très en retard. Il est 14h51, ouais, je sais quoi ça. Il est actuellement 15h38 et à midi on a commandé KFC. On n'a pas eu nos frites, genre. Et là, j'ai fini mon UE1. Après, je vais faire mes synthèses, réviser mes cartes en qui, aller à la colle et après, j'irai voir Macron. Nous dire qu'on va être reconfiné, vraiment un bonheur quand on est heureux, waouh. Bref, à tout de suite. Bonjour, il vient d'y avoir une détonation à Saint-Étienne, j'ai peur. Pourquoi? Genre, quoi? J'étais tranquillement en train de prendre ma pause, j'entends quoi? Pouf! Frère, ça fait trembler tout ce qu'il y avait chez moi, ouais. Je sais quoi ce bordel? J'ai pas envie de mourir? Oh là là! Il est l'heure de faire mes synthèses. Mais j'ai un peu la flemme, donc je pense que je vais finir d'éditer le vlog. Regardez, d'ailleurs, j'ai des LED. Voilà, je suis très très fière de ça. Je vais devenir une youtubeuse beauté, quoi. Wouhou! Bref, on est parti, on va éditer le vlog et après on va travailler.
Salut, il est maintenant 17h52. Alors oui, j'ai édité le vlog plus longtemps que prévu, mais au moins c'est fait et je pourrais faire la vidéo sur la méthodologie de travail parce que bah, vraiment je sais pas comment je vais la mettre en place pour l'instant. Voilà, donc là je vais commencer à réviser mes cartes en qui. J'ai peur de la flemme. Bon, il est 19h, c'est l'heure de la colle. Bah, je suis contente, j'ai encore reçu un message gentil sur mes vidéos, donc c'est cool. Et le gouvernement, demain, les détaillera lors d'une conférence de presse. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les communautés privées, en dehors du strict noyau familial, seront donc exclues. C'est la fin du monde, les amis. Quand est-ce que ça s'arrête? Jean-Luc, une réaction. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, update nécessaire, je pense. Il est maintenant 14h et je vais revenir sur l'annonce de Macron d'hier. Déjà, Macron, tu m'as déçu. De une, de deux, là, c'est clairement le bordel pour tous les étudiants en études sup parce que bah, c'est compliqué, quoi. Enfin, être confiné, il faut vraiment choisir si tu veux rester seul et travailler ou si tu veux être avec ta famille. Personnellement, je choisis d'être seule et de travailler. Cependant, il faut quand même que je rentre chez moi ce week-end pour récupérer les courses parce que mon frigo est vide. Mais quand je vous dis vide, vous n'en avez pas compte à quel point il est vide, le machin. Voilà, donc je vais rentrer ce week-end, genre samedi. Je vais remonter à Saint-Étienne dimanche. Heureusement que vous êtes là pour me tenir compagnie parce que sinon, je vais devenir folle. Petit update, il est maintenant 16h33. Je suis allée voir Bastien pour qu'on fasse une pause et qu'on puisse discuter parce que voilà, savoir s'il part ou pas. Là, je vais me remettre à l'UE1. J'aurai le temps de faire qu'un seul chapitre, je pense, parce que bon, il est déjà 16h30 quoi. Après, j'aimerais bien réviser mes cartes en qui, faire 2-3 synthèses du E3. Dieu 2 et finir par faire mes cartes en qui sont en retard parce que comme vous savez je suis toujours en retard. Normalement j'avais une colle du E3 mais je vais pas la faire ce soir parce que bah, ça servira à rien parce que bah, je sais rien en E3 donc c'est juste ça va me faire perdre mon temps plus qu'autre chose. Oula oula c'est pas pour YouTube ça. Non mais stop, je voulais faire un truc cute et tout. Je pose mon téléphone pour filmer, le téléphone il tombe derrière le lit. Le lit il est si lourd, j'arrive même pas à le pousser, wesh. Oh my god. Bref. Sinon bah du coup j'en profite pour faire un update. Il est 23h08. J'étais en train de faire mes cartes en qui, j'ai perdu la patience, du coup j'étais en train de faire des karaokés. Et c'était ça que je voulais filmer, parce que bah, vous me connaissez maintenant, vous savez que... Les karaokés, ma vie. Bref. Je me suis coupé le doigt. Ah, j'en ai marre. Pff, on va changer de mood, on va mettre du bleu. C'est si laid. Voilà. When you said you last goodbye, died a little bit inside. I hate tears in bed all night, alone without you by my side. Ça va pas du tout. Vous voyez, j'avais faim. Bref, j'avais faim, mais c'était après le dîner, j'avais plus rien à manger. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais manger des céréales. Donc, normal, je mets du lait, tu vois. Et en fait, ça avait un goût bizarre, j'étais en mode. Et après, j'ai vu que la texture, genre, elle était chelou. J'avais déjà mangé la moitié du truc de céréales. Et en fait, je me suis rendu compte que mon lait, il était ouvert depuis longtemps. Même s'il était dans le frigo. Du coup, j'ai bu du lait périmé. Et je vais peut-être mourir, hein. Parce que j'en ai bu beaucoup quand même. J'arrête. Sinon, il est 1h du matin et je vais prendre ma douche. Je dois reprendre ma vie en main. C'est quoi ça? Alors déjà, je vous explique. Bonjour. On est... Vendredi, il est 13h30. Je me suis réveillée super tard, c'était pas prévu. Et bien, il y a quelqu'un qui est venu chez moi à 7h pour faire le ménage. J'étais en mode quoi? Bref, résultat des courses, il a pris le ménage. Je lui ai dit, bon, frérot, c'est pas que c'est 7h du matin que je vais dormir, mais presque. Du coup, je ferai le ménage. Donc là, clairement,
on va s'habiller, faire le lit, faire le ménage, faire la vaisselle. Après, on va faire la liste des choses à faire et on va s'y mettre parce que là, clairement, ça va plus. Ça fait quelques jours que j'ai du mal à travailler avec tout ce qui est confinement. Ça nous a un peu plombé le moral et on sait toujours pas, genre, comment vont se passer les partiels, tout ça, bref. Donc là, je vais faire tout ce que j'ai à faire, me mettre au taf et cet après-midi, je vais trimer. D'ailleurs, je viens de recevoir un mail de la fac, on va aller voir ça. Le contrôle continu vient d'être annulé. Bon. Bon, moi, je vais quand même travailler parce que de toute façon, je suis un peu en retard. Je vais faire tous les cours que je dois faire et que j'ai pas fait. Et je pense que cet après-midi, on va faire tout ce qui est synthèse. Comme ça, ça sera fait. On va faire aussi les cours en retard. Et ce soir, il faut vraiment que j'avance mes cartes tranquilles parce que ça fait plusieurs soirs que je me dis que je vais les faire et je les fais pas. Donc là, clairement, on n'avance pas. Update les petits potes, il est 15h45 et je n'ai toujours pas commencé à travailler. En fait, je vous explique, du coup, j'ai tout fait, genre j'ai fait tout mon ménage et tout. Et à un moment, je me suis embrouillée avec quelqu'un, bref. Du coup, bah il est tard maintenant, donc j'ai quand même fait mon planning. Là, je vais faire l'UE1, après je vais essayer de faire mes synthèses. Et ensuite, ce soir, avant de dormir, je vais faire mes cartes en qui. Donc en soi, j'ai pas beaucoup de choses à faire parce que bah, du coup, le contrôle continu est annulé, donc ça me laisse plus de temps pour réviser, donc c'est cool. Je vais vraiment commencer à m'y remettre à partir de lundi parce que de toute façon, je rentre demain chez moi et je rentrerai genre dimanche soir, je pense. Donc voilà, je vais faire mon thé et on est parti. C'est clairement la deuxième fois qu'il y a des gens qui rentrent chez moi en pensant que c'est pas un appartement. Genre, il y a un mec qui est rentré. Il a vu que c'était un appart, il est reparti. Je t'aime. Je peux avoir une explication? Tu es qui? Bref. Du coup, il est 16h52. J'ai fini mon UE1. Donc, je suis en train de faire mes synthèses du UE2. J'ai faim. Depuis ce matin, tout le monde sonne à ma porte, j'en ai marre, je sais même pas pourquoi. Désolée, ce vlog il est pas ouf, mais ouais, c'est compliqué. Sinon, update, il est 10h30 du matin. Je prends une douche, mon cycle de sommeil est complètement niqué, donc... À cause du confinement. Anecdote, il y a 4 personnes qui ont essayé de rentrer chez moi par effraction. Donc demain, c'est une matinée chill. Je vais essayer de me réveiller quand même pas tôt, mais suffisamment pour pas louper mon train, quoi. Bon, je suis large, mais bon. Shower time, bitches. Et après, je vais me coucher parce que c'est tard, quoi. Ce week-end, je vous montrerai un peu Roméo. Parce que je sais que vous aimez Roméo, vu que Roméo est une star. Vas-y! Si, galope à gauche. Ok, rien à voir, on est la semaine suivante, mais je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la fin du vlog.
Du coup, voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, je vous aime. La vidéo de méthodologie de travail, je voulais vraiment la poster hier soir. J'ai pas pu. J'ai essayé de la poster aujourd'hui, sauf qu'il y a un gros problème avec le logiciel. Donc, toutes les images et tout que j'ai mis dedans, elles sont pixelisées à mort. Donc voilà, je suis désolée si vous n'avez pas vidéo de méthodologie de travail. Je vais tout faire pour essayer de la mettre. Et voilà, merci d'avoir regardé, je vous aime. À très bientôt les petits potes.